Troisième jour de confinement, veuillez vous disperser. Dispersez-vous, y compris sur le web. Vous avez vu ça, si ça déconne pas? Si la France, c'est un pays super organisé, avec des gens responsables, qu'on place à des postes, on sait pas trop pourquoi en fait, et qui ont des façons de gérer les choses, qui, si c'était moins dramatique, prêteraient à rire en fait. Salutations, amis du gouvernement, j'espère que t'es pas en train de regarder ce stream, puisque t'es supposé bosser, toi, espèce de connard. Et que donc, à ce niveau-là, ce serait bien que tu bouges ton cul et que tu trouves des solutions pour les gens, avant qu'ils viennent te bouffer, toi et tes enfants. Oui, nos amis les politiques, ces espèces de déchets humains, qui ont la bonne parole facile du moment que ça les arrange, eux et leurs proches. Les autres peuvent aller se faire mettre. Comment ça, Monsieur K est en très grande forme ce matin? Oh que oui, oh que oui. J'ai eu le privilège quand même d'être placé pendant plus de 10 jours à côté d'un contaminé, et donc par une entreprise qui a pris soin de ne prendre aucune précaution, et donc je suis très très remonté, voyez-vous? Parce que le jour où je vais y aller, quand les hôpitaux seront désengorgés, pour vérifier la mécanique, s'il s'avère que j'ai chopé quoi que ce soit, je vous garantis que cette boîte va se bouffer les couilles en salade, comme on dit. Ceci dit, c'est pas une raison d'étaler ma méchanceté ici, on va retourner dans Stella, ce sera beaucoup plus agréable. Alors Stella, c'est quoi? Si vous connaissez Inside, vous connaissez déjà un peu Stella, puisque le principe est rigoureusement identique. On retrouve même ce principe dans le gameplay, puisque non seulement votre personnage est coincé sur une ligne et demie, on va dire, vous le verrez, et du coup, ça semble pas évident que le jeu soit passionnant comme ça, d'emblée. Et en fait, si on regarde bien, le jeu est quand même vraiment joli, bien foutu, jouable. Il a ses petits défauts, je peux le dire, il n'est pas aussi bien qu'Inside, c'est clair. Inside, c'est vraiment la référence. Ceci dit, est-ce qu'il va s'en reprocher en nous offrant une durée de jeu qui est assez conséquente? Et c'est pour ça que je le restream. C'est parce que je suis très pro et je veux voir la longueur totale du jeu. S'il dure juste 1 heure ou 2, ça va être minable. S'il dure plus de 3 heures et qu'il y a réellement une histoire derrière, ça va pouvoir être intéressant. Un petit coup de pad, j'ai mon café, oui, je touille mon café, hein, ce sera fait. Je vous invite à faire pareil. On offre toujours une boisson chaude aux gens qu'on apprécie. C'est mon côté Sheldon Cooper. Et on va aller de ce pas. Continuer l'aventure dans Stella. J'étais coincé à un endroit. En fait, c'était surtout la fatigue qui m'a coincé hier. Puisque quand j'ai éteint la machine, je me suis dit, mais je sais où il faut passer, tu es con. En plus, tu as donné l'indice aux viewers au début. Oui, les viewers, je leur ai dit, les amis, il se trouve que dans ce jeu, quand vous êtes un peu coincé, il suffit de regarder la tête de votre héroïne. Et en général, elle regarde toujours là où c'est intéressant de cogiter un peu. Vous voyez? Et vous allez voir où elle regarde au démarrage là. Si ça redémarre bien, j'ai prévu. Il faudrait que j'enlève le scroller en dessous. C'est une bonne idée ça. Everything gonna be alright. On y est les amis. Regardez mon héroïne. Il fait un peu frais ce matin, oui je sais. Et oui, elle regarde là-haut. Donc c'est peut-être pas trop la peine de se prendre la quiche avec cette bestiole qui est en bas là, qui ne bougera pas et qui m'écharpera de toute manière, et cette échelle. Non, non, non. Il y a un meilleur moyen. Et voilà, forcément ça passait. Et je pense que je vais devoir sauter dans ce déversoir. Et dans ma grande habileté, je vais devoir faire le saut de la foi, probablement. Ouais, on va voir ce que ça donne. On y va pas bien là, hein. Hop là! Cours, 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 cours. Ah, pas mal ça. Ramasse. Je sais pas à quoi ça sert, mais je vais m'en servir. Comme quoi la vie n'est pas si compliquée en fait. Hein. Oh! Youhou! Meuf! 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 Bon, elle veut pas. Je crois que je vais me fâcher. À un moment ou à un autre. Quelle conne. Ça venait du fond du cœur, je vous le dis.
Je vais mettre ce caillou là. Non. Et une fois que c'est fait, je vais activer le... D'accord. Vous suivez jusque là? Ok. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais, mais je le fais tellement bien. Ne te relève pas, toi. Donc pour revenir au comparo avec Inside, Inside est quand même vachement plus subtil. Y a beaucoup de choses qui sont amenées avec beaucoup plus de délicatesse et qui restent aussi explicites. Et en fait, c'est juste les casse-têtes qui sont vraiment bien trouvées, quoi. Ici, les casse-têtes sont quand même relativement simples si on fait la comparaison. Baissez un poil le son parce qu'il doit être très très fort chez vous. Ah non 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 non, que des connes ma peau. Et on va y arriver anyway. Ça va aller mieux. On va plus s'entendre. Une boîte. Bah une boîte, je la tire, je la pousse, je fais quelque chose avec enfin. Coffee time. Il a pas l'air content lui là-haut. Je crois qu'il va appeler des potes. C'est peut-être pas le bon moment pour faire un jogging ici. Cette manette à quoi elle sert? J'en sais rien, on va voir. C'est pas pourquoi, mais ça m'a l'air bien. Ah, papa, non, 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 fais pas ça, bonhomme. Il y en a un qui est monté. Ça fait deux. Ça fait une paire. Du calme, évidemment. Du calme. Non, je reste là, moi, je suis bien. Sur ma ligne. Hop, hop, hop. Laisse cette porte. What the... Il vient droit sur moi! Il vient droit sur moi! Mais qu'est-ce que je fais du coup, moi, là? Oh, puis il me remet là. Non, non, je ferme les écoutilles, c'est important. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bouger ça. Attends, ça bouge, ça. Non, non, il n'y a que dalle qui bouge. Il n'y a que dalle. Il vient droit sur moi. Je suis coincé sur ma ligne. Ah ah, je t'ai bien eu. Ah bah démerde-toi maintenant. T'as voulu jouer au malin. T'assumes. Qu'est-ce qu'il me fait l'autre là-haut? Yo. Oh là là. Oh lolo. Oh lélé. Oh lululu. Lili lili lili. Bordel. Vite. Vas-y, 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 vas-y. Oh, j'ai vu le rebord, mais j'étais trop long. Alors, le jeu est quand même très très sympa de vous remettre juste avant l'action que vous avez ratée. Parce que ça pourrait être vachement plus long, ils auraient pu rajouter de la durée de vie gratuite comme ça, comme le font souvent les gens. Ceci dit, ça reste téléphoné, je n'en démordrai pas. Où je suis là?
vous rapproche, vous êtes loin. Voilà. On se retrouve, nous. Oui, le truc bleu, c'est la créature qui m'a ramassé quand je suis tombé dans un trou et que j'étais inconscient de. Et on ne sait pas trop ce que ça veut. Puis je me demande si je veux le savoir, en fait. Ploup, qu'est-ce que je fais, là? T'es pas super caché là, on va dire, dude. Mais bon, c'est bien tenté quand même. Ouais, j'ai le droit de prendre ça, c'est cool. J'ai le droit de m'en servir. Pourquoi faire? Pour dégager les chauves-souris, peut-être. Oui, the bats. Alors, pour revenir au comparo inside, ça c'est exactement le passage où il y avait les bourrasques devant. Oui, je vais pas arrêter avec ça, hein, c'est normal. Ça c'est chiant de mettre un. Je vais quand même emmener ma boîte, je l'aime bien. Mais ouais, c'est exactement ça. Je crois qu'on va être obligé de se quitter avec ma boîte, non? Je l'amène, hein. C'est ma boîte, elle est à moi. C'est une vraie dalle à pression, j'ai bien fait de l'amener. Je sais pas pourquoi, mais prions le grand chauve-sournois. Plop. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Aucune idée, mais je vais le faire quand même.
Anyway, c'est coincé. Il y a un truc que je saisis pas du coup là. un petit blagueur. Ça va où de ce côté? Ou du côté là-bas? Bien. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Est-ce que je remonte ma gamma? Oui, parce que c'est vraiment pas du tout lumineux pour moi. Alors, j'ai récupéré un truc ici, je sais pas trop à quoi il a servi. Je suis coincé dans ce cul-de-sac inexorablement. Et ma 2D ennemie ne veut pas venir à mon secours. J'irai bien au fond là, mais ça n'a pas l'air d'actualité aujourd'hui. Je vais quand même pas faire demi-tour, ça me semble bien tiré par les cheveux. Oui, j'ai pas usé de capillotracté tracté aujourd'hui. Et je refuse de le faire de toute manière. Ah, si je mets ça là, ça rouvre. Bien. Si je ressors, je vais me faire emmerder par les piafs. Ou pas. Devrais-je ramener ce je réfléchis. Ce diamant, je le ramène de ce côté, ça fait quelque chose. On va imaginer que oui. Ça, c'est la connerie à pas faire, rouvrir les volets. Parce que je pourrais pas trimballer mon diamant du coup. Je t'emprunte ça, Lude. Hein? Je te le ramène éventuellement, mais. Comment ça, je peux pas partir avec? Admettons. Du coup, je vais décaler ce. Mais attends, je suis bête aussi. Et hop! Et on n'en parle plus là, c'est réglé. Ça fait moins les malins maintenant.
Salut Forceman. Hi. Non. Petit café. Moi, c'est ça qui m'exaspère un peu. C'est la boîte qui est posée juste avant l'obstacle. Dans Inside, toujours, on vous faisait réfléchir un petit peu plus loin que ça, quand même. C'est dommage. Pas très complexe. Enfin.
bienvenue dans la matrice. Oui, je le fais bien. J'y ai déjà été en fait, j'en reviens. Bah, je suis revenu parce qu'il y avait plus de filles en jupe rouge ici que dans la matrice. Ça fait quelque chose, ça? Oui, ça te tue. Au moins, maintenant, j'aurai l'info. Donc, rappelle-toi, ce ne sont pas des robots nettoyeurs. Non, non, non. Ou alors, s'ils nettoient, c'est pas au Karcher, c'est au laser. Donc, tu les laisses faire. Va, mon petit, va. C'est quoi, ça? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais, anyway. Je vais quand même pas sauter dans le vide, les gars. And then. Non mais on saute pas comme ça les gars, ça marche pas. Non, je l'ai juste remis comme il était. Ok. Je ne vois pas du tout ce que ça fait du coup. À part nous afficher cette magnifique gravure. Et où pourrais-je sauter? J'en ai aucune idée. Je crois que je vais sauter dans le vide. Ah, je vois une petite nappe. Bah dites-moi, ça a bien changé la matrice depuis. Hein. C'était pas comme ça avant. Oh non. Toi, tu vas me faire une blague, je le sens. Bah oui, mais j'ai pas envie de me faire laseriser, Coco. Et je passe comment maintenant? Je la sens pas. Bon, ça c'est fait. Ça aussi c'est fait. J'ai peut-être une autre chose à faire, on va savoir. J'ai pas pigé du coup. Alors j'ai cette gravure qui me dit la lumière est en toi, la lumière est en toi. Mais pour l'instant je me prends des coups de laser. Est-ce que je pourrais sauter sur le Ducon là? Oui, on va l'appeler par son nom. Oh mais reviens pas autant à gauche, dude. Je vais me garder bien au bord. On va revenir là carrément, hein. What does it mean? What does it mean? Oh, je suis passé à travers cette fois. J'ai pas compris pourquoi, mais on va la garder comme ça. Alors, faudrait que je comprenne quand même, ce serait bien. Parce que je pense que ça va me servir par la suite. Doucement, remonte. Je pense que tu vas l'avoir aux fesses, là. Ouais. Ah! Ah, frag. Ah, je suis un peu tombé dans le vide, je crois. Alors ce niveau est bizarre. Viens là. Non mais reviens. Seriously. Stop, 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 stop. Oh là là, il revient droit sur moi. On va tomber dessus comme ça, rien. C'est pas mal ça. Allez, bah donne-moi. Où c'est que tu veux aller, toi? Alors ces plateformes, elles apparaissent uniquement quand je saute, j'ai l'impression. Elles se matérialisent. Je sais pas. Alors, comment ça marche? Oui, man. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, il y a un dicton qui dit non, ça veut pas. Ah non, trop tôt. Tu arrêtes.
Et maintenant, tu y vas. Calmos. Regardez-moi ça, je suis la calmitude incarnée. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être terrible. Oui, c'était un effet gratuit à la bouche en plus. Il me ratiboise tout. Ah, je l'ai raté. Je m'en serais bien servi comme bus. Vous avez saisi l'idée? Hop, 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 ça va être là. Ça va vraiment être là. Faut que je saute dessus. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je saute dessus. Inéluctablement. Plip. Plap. À moi. Ploup. Yes, je suis bien là-dessus. Oh, purée de bordel de... C'était une très pas bonne idée. Je vais le contourner, puis on va voir comment ça range de l'autre côté du tableau. Il doit se passer quelque chose, sûrement. Plip, plap, ploup. Alors, il y a l'autre qui arrive, là. Faut que je me méfie. Parce qu'il va vouloir faire le ménage, lui aussi. C'est fou comment on se sent à l'étroit, une fois là-dessus. Non. Non. Oh, putain. Toi, t'arrives à temps. Alors c'est vachement scripté par rapport à Inside, hein, j'y reviens toujours. Inside avait quand même cette volonté de vous faire triper, je sais pas si je saute, non. En réfléchissant bien, là c'est un peu le bordel quand même. Parce que c'est des suites de scripts et... pas beaucoup de jugeote, hein. C'est pas méchant, mais je constate, c'est tout. Non. Allez, où je fasse le tour par en dessous. Ok, on va le satisfaire, hein. I can get no torréfaction. Oui, les chansons dans TBG, c'est toujours aussi comique. Oui, faut que je me rappelle que je sais sauter plus haut. Hein. Ça va en être, hein. Ça en a le goût déjà. Je sais pas ce qu'il veut me faire faire, mais ça va finir tragiquement, je pense. Oh, une porte. Très important de faire le bruit des téléporteurs à chaque fois. Un bruit de téléporteur, c'est un voyage serein, assuré. Même si on est intégralement désintégré, qu'en fait c'est un autre qui est construit. Au point B. Ce moment de vide vous est offert par... Moment de vide. Pourquoi ce truc est vert? Je vais le savoir bien assez tôt. Igigi. J'ai pas très envie de tout tripoter, hein, pour être honnête. Nom de Zeus. Qu'est-ce que j'ai compris à tout ça? Rien du tout, mais je le fais quand même. Pourquoi il y a des crochets là-dessous? Je n'en sais rien. Oh, c'est trop haut. Vert, ça doit être un truc qui se désintègre au bout d'un moment, je pense. Une connerie comme ça.
De toute façon, j'ai pas 36 000 choix, hein, donc on va tripoter ça là en bas. C'était pas loin du gars d'un ultime là. Je m'en vais essayer cette plateforme verte pour le bien de moi-même, histoire de comprendre. Ben voilà qui est bien. Si t'avais la bienséance de m'élever tout là-haut, ce serait génial. Ça va me faire monter, c'est pas le but recherché. Moi je veux juste aller sur la plateforme en dessous. Quoi qu'on va quand même monter, voir ce qui se passe. Ah, purée de cochonnerie. Fais-moi pivoter ce truc. Ah, c'est ça que je veux pivoter. Là, ça va être dans le bon sens. Ok, est-ce que ça remonte ça du coup? Bonne question. Non, ça ne remonte pas. Si je saute là, je me mets un gadin. On va descendre avec ça du coup. Quoi, je pourrais essayer de monter avec ça. Je vais me mettre une pelle, je sens. Une pelle à neige, une pelle à gâteau, une pelle à anything you want. On va aller voir ce que ça donne de ce côté, s'il se passe quelque chose. Pas grand chose apparemment. Alors j'observe que si au-dessus il a un petit anneau en plus, hein, c'est bizarre. C'est pas mal là. Ce saut, je le sens pas, mais je vais quand même le pratiquer parce que je suis ouf. On va garder comme c'est. Hein. Oui, tant qu'à faire un joli saut. On va s'appliquer et on va faire le ultimate saut of the death in the afternoon over the barbecue. C'est parti. Comme quoi, c'était pas si compliqué. En faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. Ah, je crois que je vais me faire un ami encore. Quel dommage que ce jeu ne soit pas plus... comment dire? Qu'il n'ait pas plus creusé sa propre voie. Il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de choses. Mais plus que... la plateforme, plus que des énigmes, on a surtout le sentiment d'aller du point A au point B sans vraiment trop réfléchir, quoi. Oh putain. Tout ce que j'aime pas. Je vais me sentir mal là. saute pas. Oh mon dieu, c'est un Tetris géant. J'ai compris vite. J'ai compris à temps. Mais je vais me faire avoir, je pense. Oui, la victime, c'est moi ici. Hein. Aïe aïe aïe. Toujours aller sur la partie la plus haute. Toujours, ever.
J'espère que je vais pas être coincé tout en haut de l'écran à un moment parce que je vais avoir l'air vraiment. Vraiment pas top quoi. Oula, la suite droite il me veut pas. Il me veut pas. Est-ce que je peux sauter dessus quand même? Ouais. Oh purée. Je crois qu'il veut se débarrasser de moi. Je me suis fait avoir. On va laisser faire son petit cinéma. Je vais sauter quand il fera pivoter celui-là en essayant de repasser de l'autre côté. Non, faut que je passe là en fait. Voilà. Là et hop. Tranquille. Ne refais pas le même coup. Si, si, il va le faire. Il est capable. Quel blagueur ce truc. Tu m'expliqueras la manip, hein, l'intérêt. Parce que j'ai pas suivi. Oh, ça joue à Tetris encore au-dessus. Qu'est-ce qu'il est taquin ce truc. C'est de la mémoire, c'est pas de la réflexion. Hein. Ah, remonte. Me fais plus des coups comme ça. Eh bien, vous savez quoi? J'ai cru que c'était fini, vraiment. J'ai cru qu'on était arrivé au final et j'étais prêt à être un petit peu méchant, en fait. Ceci dit, je pense qu'on ne doit pas en être très loin.
Faut qu'on parle. Ouais, faut qu'on parle. Parce que, oui, ce jeu, c'est super dur d'en dire quoi que ce soit. Il part sur une base où c'est terriblement inspiré, on peut pas le renier, j'ai pas arrêté de vous parler de Inside tout le long. La grosse différence avec Inside, bah, c'est que dans Inside, vous aviez la surprise. La surprise des actions que vous ne saviez pas faire. La surprise des réflexions qu'il fallait entreprendre pour arriver à passer à certains endroits. Or, il se trouve que ici, à aucun moment, ces surprises sont présentes. Vous êtes vraiment sur le pur liner de base. On vous fait faire des actions, mais de toute façon, il n'y en a pas d'autres à faire. Quand il faut réfléchir un peu, c'est vraiment du un peu, quoi, pas du beaucoup. Et puis, la longueur du jeu n'est pas énorme. Alors, on aurait pu lui pardonner s'il y avait une histoire absolument géniale par-dessus tout ça. Mais il se trouve que l'histoire. Je sais pas, vous rappelez du démarrage du jeu? Le premier plan, où on voit une colonne s'illuminer avec un personnage dessus dessiné. Et que, comme par hasard, la miss tombe de ce truc. Le démarrage et l'aboutissement sont une simple boucle. On est un peu dans la tristesse là, les gars. On aurait pu aller chercher un peu plus loin pour faire triper les gens. Alors oui, je vais quand même recommander Stella pour les gens qui n'ont jamais fait Inside, par exemple, et s'ils se trouvent à être à un prix beaucoup plus bas que Inside. Ce sera un bon début, et puis une fois que vous aurez fini Stella, bah, vous pourrez passer à Inside et voir la différence justement et l'apprécier. Si vous avez déjà Inside, vous allez juste vous marrer. Ça va vous faire triper parce que esthétiquement c'est très joli. Sorti de ça, il n'y a pas grand-chose de plus à en retirer. C'est un poil dommage. Donc voilà, je vous ai donné l'opinion sur Stella, vous en faites ce que vous voulez maintenant. Vous savez de quoi il en retourne, regardez-moi ce beau paysage, je vais me vautrer dans les prés et faire l'étoile de mer en contemplant ce beau soleil sur cette planète juste...